Coucou tout le monde, bonsoir, c'est encore Madame Kefak, j'espère que vous allez bien, bonjour, bonsoir, vous trouvez. Je voudrais vous dire merci encore et encore pour vos partages, merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires. Cette vidéo aussi est complémentaire au Njamsan. Ah, la pharmacienne a encore fait fort. Reçois tes cœurs, ma chérie, reçois tes cœurs. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup de personnes sont intervenues. Plusieurs personnes sont intervenues, chacun a donné son point de vue, des personnes m'ont appelé, on a parlé, je suis tellement ravie, je suis contente que ces sujets touchent des personnes, je suis contente que des personnes ne prennent pas ça sur elles, parce que je m'inspire au quotidien des faits réels, mais je ne m'inspire pas d'une personne particulière. Donc vraiment, je voudrais dire merci, continuez d'intervenir, continuez de m'inspirer, continuez de me voir comme la voix des sans-voix dans le domaine de la santé. Donc aujourd'hui, je vais un peu très brutal dans la vidéo. Si quelqu'un sent qu'il va s'offenser, pardon, qui ne regarde pas, je parle surtout des femmes parce qu'il veut parler d'une jambe sans. Et c'est adjunctiva comme vidéo. Donc, j'ai fait la vidéo la dernière fois. J'ai donné les constituants d'une jambe sans, ce que les femmes la mettent dans le lait éclaircissant. J'ai parlé de l'hydroquinone, le mercure, le plomb, l'eau de javel, j'ai parlé du cortisone. Mais après l'intervention de la pharmacienne qui a ajouté des choses, j'ai compris que peut-être je n'ai pas bien dit. Ou alors, je n'ai pas exprimé les faits tels qu'ils sont. Ou alors, peut-être je n'ai pas fait comprendre la gravité de cette chose-là. Regardez, faites comme moi. Regardez, non, je me place devant la vidéo est claire. Je suis moi, noir de teint. Oh. Bon, c'est un peu clair, parce que je suis comme ça de nature, mais bon. Donc, les femmes, arrêtez le Njansan. Arrêtez-moi cette histoire de Njansan. That is not good. It's not good, not at all. Vous vous faites du mal. Vous êtes en train de vous détruire la peau. Le cortisone, l'hydroquinone, le mercure que vous prenez sur la peau vous détruit l'épiderme. Ça vous détruit le corps. Mais ce qui me fait rire, c'est que ce sont encore ces mêmes filles-là. Et c'est plus en Afrique. Je parle de l'Afrique en général parce que le Nigeria est classé parmi les premiers pays au monde à faire une jansa, au point où si tu prends au Nigeria, sur quatre femmes, tu vas avoir trois qui font une jansa. Ce sont ces mêmes femmes-là qui se sèchent au soleil. Avant le grand mort qui est arrivé à Douala, ce sont les mêmes filles qui mettent le Janssen là qui partent se sécher au soleil. Elles ne savent pas que l'hydroquinone est l'ennemi juré du soleil. D'ailleurs, pour voir si votre lait contient l'hydroquinone, parce que peut-être vous êtes en train d'utiliser sans vous en rendre compte, mettez juste un tout petit peu et mettez au soleil. Regardez la réaction, ça va devenir noir ou marron. Sans même aller trop au soleil, non. Regardez votre boîte de lait. Regardez ce que ça fait souvent. Les alentours du couvercle là deviennent souvent noirs. Parce que ce qui est dedans n'est pas bon. L'hydroquinone, le mercure, le cortisone, c'est tout ça qui est dedans. Ces femmes-là qui fabriquent ça vous mentent. Parce que je parie à 100% qu'elles n'utilisent pas ça. Parce que lorsqu'elles embauchent des chimistes, les chimistes leur disent que, hey gars, ici là, ce que tu as tes mains là, gars, ça peut détruire. Hey, tu crois qu'elle va écouter que ça peut détruire un message sur sa peau? Hey girl, attention. Faites un peu attention à ce que vous dites. Faites un peu attention à ce que vous faites. Faites un peu attention à ce qui se passe. C'est encore vous qui allez vous sécher là-bas au grand mol, faire long rang toute une journée, vous sécher la peau pour voir les escaliers roulants. Oh, arrêtez un peu ça. Mais est-ce que vous savez même que l'histoire que vous mettez sur vous la sent beaucoup? Les gars ne vous disaient pas par respect. Tu te gentilises et tu sois avec un gars, sache qu'il a sa bonne petite là quelque part, une bonne villageoise, ses cheveux sont comme ma part. Ma part est même tressée. Parfois c'est détaché, c'est au vent comme ça, il ne tresse jamais. Oh yes, oh oui. Il n'a plus, il ne peut pas te dire, il n'a pas envie de te blesser. Mais ça sent, tu n'es pas sa meilleure petite. Et si c'est lui qui te demande de te gentiliser, c'est parce qu'il ne t'aime pas. C'est parce que tu es le bon, tu es le Dieu. M'as-tu vu? Et il veut t'exploiter, il ne t'aime pas. Une fille un homme qui aime sa go, sa femme, ne lui demande pas de se décaper. Absolument pas.
Quand il se rend même compte que celle-ci utilise un lait qui change son teint, il met un stop. Il attire son attention, lui dit, écoute, tu es en train de te faire du mal, tu es en train de te décaper. Vous n'êtes pas sérieux, je vous assure. Et on m'a même dit qu'arrêter le jansan comme ça là. Normalement, on devrait s'attaquer aux personnes qui fabriquent. Mais non, ils sont de connivence avec le gouvernement, avec les gouvernements. Parce que j'ai appris qu'au Cameroun, il y a des périodes durant lesquelles le cortisone finit en pharmacie. Le cortisone, c'est un médicament. Comment on peut être en rupture de stock dans les pharmacies? Parce que des personnes sont venues s'en procurer en grande quantité pour fabriquer des laits éclaircissants qui vont gâter la peau. Je comprends que vous employez des personnes, mais vous pouvez faire des laits. Vous pouvez faire dans la cosmétique sans toutefois faire des laits blanchissants. Non, mais arrêtons un peu. Vous êtes sérieux là? Vous pensez souvent un peu au futur? Dans la majeure partie des cas, ce sont les jeunes filles qui n'ont pas encore accouché qui font ça. Ouais, ma chérie, si tu rends maintenant ton accouchement, ils savaient que c'est la césarienne qu'on va te faire. La blessure, là, va guérir un jour. Et même si ça va guérir, ça va prendre le temps. Tu es sûr que tu vas supporter si ça s'infecte? Tu es sûr? Non, aujourd'hui, j'appelle à ta conscience. Mettons entre parenthèses que prendre soin de sa peau est différent de se décaper, de se blanchir la peau. Parce qu'il y a des laits, effectivement, qui aident à tonifier la peau. Comme moi, par exemple, j'ai le visage plus clair que le corps. Je voudrais peut-être un lait pour tonifier ma peau, pour uniformiser ma peau, par exemple. Je peux devenir au choking. Et c'est ce qui se passe là-dedans. La plupart des filles veulent que la peau soit uniforme parce que l'homme a dit que non, tu es noir ici aux fesses, tu es noir au bras, tu es noir, des conneries par-ci par-là. Elle tombe dans le choking. Donc aujourd'hui, ma chérie, toi qui es en train de faire le jansan sans t'en rendre compte, je vous ai donné les constituants et je vous ai dit que l'hydroquinone a un autre nom, le benzène 1,4-diol. Faites attention. Aujourd'hui, que tu es en train de regarder ma vie, tu vas porter ton lait d'étoile et tu regardes la constitution de ça. Si tu ne comprends pas le nom de quelque chose, va taper ça sur Internet. Internet est disponible à tout le monde. Si tu as, peux mettre 100 francs dans ton téléphone, regarder toutes les vidéos de Kongosa, tous les directs de Kongosa, tous les directs de Querelle, lis tous les posts de Kongosa. Ça veut dire que tu peux prendre les 100 francs, la mettre dans ton téléphone, taper Google et chercher les constituants de ton lait d'étoile parce que tu es en train de détruire la peau. Tu es en train de te faire du mal. Le cortisone est un médicament. L'hydroquinone même est un médicament qu'on prescrit. Mais on prescrit sous surveillance pour des personnes, par exemple, qui ont des taches qu'elles veulent éclaircir, je ne sais pas trop quoi. Mais on n'utilise pas ça comme ça. Pourquoi vous faites ça à votre vie? Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu t'a fait? Il te donne une belle peau comme ça là, et tu veux gâter. Tu as quel problème? Je te dis que tu as été décapé pour un homme. Sa vraie go à mes cheveux, c'est que tu vois là. Sa peau est noire. Hey! Son make-up, non? C'est le dernier. C'est le sombre. Voilà. Mais toi, tu as été décapé pour lui. Tu as été décapé parce que tu veux attirer l'attention. Et ce qui me fait encore le plus rire, c'est que l'affaire la demande tellement de travail. Et vous avez le temps pour ça. Mais vous n'avez pas le temps pour chercher l'argent. Vous êtes en train de mendier derrière les hommes. Vous êtes en train de supplier les hommes de vous donner des commandes 10 000. Vous barrez les hommes pour 20 000, 50 000. Mais vous avez le temps pour faire une jambe. Pour frotter. Sur Facebook, vous avez vu, non? L'autre gars là qui est devenu une femme là. Vous avez vu ses vidéos où il montre que ça l'a gâté, non? C'est comme ça. À long terme, ça fait ça. Il y a des femmes enceintes qui se décapent, qui se blanchissent la peau. Vous ne savez pas ce que vous faites à votre enfant. Vous lui introduisez le mercure dès son jeune âge. À long terme, ça va donner quoi? Il y a des mamans, pitié, poor them, qui décapent leur enfant, soi-disant la peau est noire, parce qu'elles voudraient que ses enfants ressemblent aux autres. Et shame, maman. Et shame, il faut avoir honte. Tu fais honte aux mamans. Parmi lesquelles moi, tu me fais honte. Si tu mets une crème sur ton enfant, tu te rends compte que ton enfant est devenu clair alors que ce n'est pas normal. Interroge-toi. Lis.
va sur la quand tu lis, tu te rends compte qu'il y a un produit de Kappa, maman, laisse. Cet enfant-là, demain ou après-demain, ne suis pas sûr que il va accepter le fait que tu l'aies fait parce que tu voulais qu'on voit que ton enfant est beau ou belle. Non. Non. Ah non, 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 non. Quand je dis aux gens que j'utilise le Tri-Derm sur ma fille, pour des personnes qui ont vu mon enfant naître, elle était blanche. Mais avec le temps, elle a noirci. Je pouvais courir. Oh, qu'est-ce que je fais pour qu'elle devienne brune? Oh. Tant que sa peau n'a pas des irritations, tant que sa peau est limpide, je suis OK. Donc, faisons vraiment attention à ce que nous faisons. Faisons attention. Moi, je pense que parlant comme ça, c'est difficile de comprendre. C'est difficile de vous conscientiser. Parce que je ne suis pas sauvage, je ne suis pas brute, je ne suis pas en train de vendre quelque chose. Mais je voudrais vous inviter à aller dans les hôpitaux. Allez dans le pavillon oncologie. Peu importe le pays où vous vous trouvez. France, Italie, Cameroun surtout. Parce qu'on sait que les hôpitaux d'abord ne sont même pas bien structurés. Ce n'est même pas d'abord bien. Et vous jouez encore avec votre corps. Vous n'avez pas honte. Non, et honte. Donc Dieu là, il vous a créé, il vous a donné, mais vous avez décidé de gâter. Vous gâtez, vous voyez bien que vous êtes en train de gâter, mais vous continuez. C'est vous qui sortez, vous brillez que vos lits sont mal dressés à la maison. C'est vous qui sortez, vous brillez que vous cherchez la vie le matin dans un tas de saletés. Vous repassez, vous sortez, vous brillez avec les jolis sacs. C'est vous qui brillez que vous ne pouvez pas laver le sol chez vous. Mais vous faites le Njansan. Arrêtez un peu ça. Les mamans, arrêtez de faire honte aux gens. En même temps, vous êtes en train d'utiliser vos jeunes petites filles qui sont en train de grandir. Demain, elles vont le faire. Quand vous aurez déjà pris conscience, vous allez lutter pour qu'elles arrêtent. Elles ne vont pas arrêter. It's not witch. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est vous. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez. Parce que quand je regarde, je me rends compte qu'il y a tellement, il y a une inconscience totale. Les taux de cancer de la peau ont augmenté au Cameroun. Pas seulement de cancer de la peau, de taux de cancer en général, mais de la peau en particulier. Nous ne devons pas souffrir du cancer de la peau. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo. Nous, on n'a pas de problème. La mélanine, là, nous protège. On devrait avoir un, deux cas. Mais nous, on en souffre énormément. Le cancer de la peau est latent. C'est tranquille, c'est calme, ça évolue. Oh là là, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Cherchez un lait qui va avec votre peau, une crème qui convient à votre peau, sans toutefois la blanchir. Ils vous mettent des choses. Imaginez-vous, allez sur Internet, vous tapez mercure. C'est comme le béton qu'on coule là. Ça coule comme ça, comme si c'était le béton, comme si c'était le sang-sang qu'on a mélangé avec avec le coulard. On appelle ça comment? J'oublie le nom. Attention. Attention. Faites attention. Faites attention. Vous avez vu, non? J'ai laissé mes cheveux aujourd'hui comme ça pour vous parler. Parce que parfois, après les gens vont dire que oh, tu vois qu'il y a les perruques, le make-up. Je mets, après j'enlève, je nettoie. Même le make-up là n'est pas bien. Tout ça que je mets, après j'enlève. Les perruques, je peux même m'en passer, je peux m'en passer de tout ça. Vous allez même voir mes vidéos. Vous allez voir certaines de mes vidéos. J'avais même le masque de grossesse, je n'avais aucun make-up, je n'avais rien. Ça, c'est pour vous faire comprendre. Et prenez conscience un peu de ce que c'est que la vie. Prenez conscience de ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous détruire. Vous êtes en train de vous détruire. Vous n'êtes pas plus belle que les autres. Au contraire, vous sentez beaucoup. Et vos gars n'ont pas le courage de vous dire. Moi, je vous dis ça, hora, vous sentez. Arrêtez le Njansan. Arrêtez le Njansan. Arrêtez de décaper la peau. On se voit la prochaine fois. C'était Madame Kaifak. Bye.